Des panneaux photovoltaïques, mais pas d'éolien. C'est la stratégie qu'on vient d'adopter dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes sur le développement de l'énergie renouvelable. L'objectif pour nous, c'est d'installer à peu près en panneaux photovoltaïques l'équivalent de la consommation d'énergie de 1 million d'habitants, d'ici un horizon de 2000. Pour ça, la région va mettre de l'argent sur la table dans un fonds, le fonds OSE, qui rassemble des énergies du public et du privé, et dont l'objectif va être d'accompagner ensuite pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, en privilégiant des solutions qui permettent de se mettre sur des bâtiments publics. Un exemple typique, nous, on va prendre la décision d'en mettre sur la totalité de nos lycées et d'avoir ainsi de la production d'énergie qui soit favorable et qui permette d'avoir de l'énergie décarbonée. Mais avec une ligne de conduite, en revanche, opposition totale au projet éolien. Ça défigure nos paysages et je comprends pas, on ne peut pas faire du développement durable et de l'environnement en commençant par saccager nos paysages. Donc la priorité pour nous, c'est le photovoltaïque et le fonds s'engage à ne pas financer le projet éolien.